Miss France 2019, Wymalama Chavez représentait Haïti lors de son élection. La jeune femme reste très attachée à la Polynésie et n'a pas manqué de pousser un coup de gueule contre certains touristes ce mercredi 23 août sur Instagram. Depuis son élection en tant que Miss France 2019, Wymalama Chavez continue de parler d'elle pour son fort tempérament. La jeune femme n'a pas peur de dire ce qu'elle pense ni de répondre à ses détracteurs. Elle l'a d'ailleurs montré l'année dernière, en attaquant Mathieu Delormeau qui a fait pleurer la mère de la reine de beauté. Mais cette fois, si est-il contre les touristes qui se rendent en Polynésie que Wymalama Chavez pousse un coup de gueule. Wymalama Chavez, une Miss attachée aux traditions. Wymalama Chavez est toujours très attachée à Tahiti et à la Polynésie française. Elle défend d'ailleurs les traditions de ce territoire d'outre-mer sur Instagram. La jeune femme qui s'est récemment mise en danger dans Fort Boyard a d'abord publié un message expliquant que le tutoiement est d'usage en Polynésie. Il s'agit d'une vraie manière de vivre puisque le vouvoiement est même très mal vu. Cependant, certains touristes venus de France métropolitaine ont du mal avec cette tradition et commencent à faire changer les choses. Cela ne plaît pas vraiment à l'ancienne Miss France qui a poussé un coup de gueule ce mercredi 23 août. Wymalama Chavez, certains Français n'ont pas compris où ils allaient en story Instagram. Wymalama Chavez a posté une belle photo d'un coucher de soleil polynésien par-dessus lequel elle a écrit un texte dénonciateur. Loin d'être insultante, la Polynésie s'offre à ceux qui viennent la découvrir, avec en reflet tout le respect qui lui sera donné, commence celle qui a du mal à accepter le regard des autres. Aujourd'hui, je suis frustrée, agacée, dégoûtée, oui dégoûtée, de voir les Polynésiens devoir s'accommoder au vouvoiement parce que certains Français n'ont pas compris où ils allaient, dénonce Wymalama Chavez. Elle conclut en donnant son point de vue sur ces touristes, si vous n'êtes pas prêt à vivre une immersion culturelle dans un pays tel que le nôtre, que vous n'êtes pas prêt à vous accoutumer à qui nous sommes pour imposer qui vous êtes chez vous, changez de destination. Le message est clair.